salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur FIFA 15, la carrière avec l'Impact de Montréal. Et aujourd'hui dans cet épisode on va faire un match contre le DC United Washington, donc Washington, contre New York. On va jouer contre New York, ensuite contre les Columbus Crew, c'est ça hein, si je me trompe pas, Columbus Crew. Et ensuite on fera, si on a le temps, Toronto FC. Le derby retour, le premier derby retour, parce qu'il y en aura encore un autre. Plus tard dans la saison. Voilà, encore un ici. Donc voilà. Donc on va jouer ce match contre DC. Oui, on a un carton rouge en la personne de Krico, qui a fait malencontreusement des bêtises sur l'épisode précédent. Bon, on va pas trop lui en vouloir. Et on va pas mettre Torres à l'est, non. On va faire ça, d'ailleurs il faudrait vraiment qu'on change. Ouais, la cassa est pas. Ouais, faut qu'on change. Faut qu'on change vraiment parce que. Hop. Voilà. C'est mon jeu qui était parti à l'ouest. Buena cassa titulaire et Pépé sur le banc. Et Pépé sur le banc, Pépé. Allez. Régler ce problème moi-même. On fait ça, c'est parfait, et on change, non, sûrement pas ça, ça, et on va faire entrer Sané. Radosevic, on va le mettre au repos, et on va mettre Bissure, on va mettre Mop, Monsieur Serpillère, Duka un peu fatigué, Lopez ça va, Torres Alès, Sané, Buenacasa. Simon Lopez de la défense qui va pas trop bien, donc on va mettre lui. Il peut jouer défenseur gauche, donc on peut plutôt le mettre de ce côté là. Allez, et on va peut-être faire jouer Miller s'il est en forme. Il est où? Il est là, il est en forme, on va le faire jouer à la place de Camara. On va se tourner un peu dans l'effectif parce que c'est vrai qu'il y a des matchs qui se rapprochent énormément. Enfin, qu'il y a des matchs qui ont beaucoup, enfin, qui n'ont pas beaucoup de temps de récupération entre chaque match. Donc c'est bien d'avoir des gens qui sont assez solides et très endurants. Parce que sinon, c'est la caca. Sinon, les gens meurent et finissent morts sur le terrain. Ou au pire, ils sont blessés. Oula. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Oula. L'ouverture au score de la 3ème minute. Dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à FIFA. Allez. Non! C'est quoi ce vieux contrôle là? Non! Ça c'était des long shots. En plus c'était joli mais. En plus il était joli. Non! Pourquoi t'as pas fait la passe? Pourquoi t'as pas fait la passe? Comment ça j'ai fait une faute? Le monsieur là il m'a fait une faute là, c'est lui qui m'a fait une faute. La frappe! Ah oh, putain! La frappe! Et le but! Il est hors jeu, non mais je suis. C'est pas vrai. Merde, on passe pas avec start. Et dommage. Jean-Baptiste, il a pris un jaune. Donc c'était lui qui avait fait une faute. Je vais te rembourser moi. C'est dégueulasse. Allez. Non, putain, les gars, quoi. Non, mais putain.
Faites gaffe à vos pieds quand même, quoi. Les types, ils font pas gaffe à leurs pieds. Putain, il est costaud, lui. On peut rien lui prendre, quoi. Ah ouais, mais là, il va jamais la récupérer. Si, Weiser! Weiser! La frappe! Oh, le but! Le but! Le but de Duka! Duka qui nous sauve l'égalisation totalement! Incroyable! Duka qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Après cette passe, sans espoir quand même, hein, faut le dire. Hein, parce que bon, j'ai très hésité à faire ma passe et finalement c'est passé. Je pense qu'elle doit être totalement contrée. Dili Duka, son premier but cette saison seulement. Hein. Il nous a fait une grosse saison, son passé. Mais là, il a ouvert son compteur but cette saison. Cette saison qui n'en finit pas, hein, parce que. Il me semble que la saison n'est toujours pas finie. Alors, on m'a dit qu'on pouvait pas changer plus de. Enfin, qu'on pouvait pas rechanger de club, que je pouvais pas encore changer de club. Alors, j'ai peut-être fait planter le jeu du fait que je suis arrivé en milieu de saison pour les Amériques. Et que, bon, du coup, ben, ça fait qu'on est toujours. C'est pour ça qu'on compte toujours qu'on est sur la saison 3 et pas sur la saison 4, malgré qu'on ait commencé une nouvelle saison. Mais ceux qui devaient partir à la retraite ne sont pas partis à la retraite. Donc ça veut bien dire que le jeu considère que la saison n'est pas finie. Que la saison qui était en cours n'est pas finie. Allez, Duka, Duka la frappe! Ah, je la voulais second poteau. Bon. Ouais, ça veut dire que le jeu considère que la saison n'est pas fini, donc c'est pour ça que mes retraités ne sont pas partis. Donc en fait, j'ai mon retraité une demi-saison de plus. C'est marrant, j'en ai deux qui devraient partir en retraite. Qui devaient partir en retraite déjà à la fin de la saison passée, sont toujours pas partis. Putain, j'étais sûr qu'elle allait faire ça. J'aurais dû tenter le tacle. Le tacle assassin. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais là? Torresales, bien joué. Là. Allez, Ruiz. 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 Oh, je me suis fait totalement faucher. Bon, c'était pas mal dans l'idée, mais sauf que Buenagasa, il a pas fait attention à son placement. Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'il était. Il avait un bon placement au début, mais après. Il n'a pas du tout fait gaffe à son placement et ça fait qu'il nous a fait de la merde, le petit. Ouh, ça passe. Bien joué, ça. Bien joué, c'est bien vu. Le centre pour Buenacasa. Non, ça passe pas. Dommage. Ça aurait pu. Un poil plus long et ça aurait pu passer en plein sur sa tête. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau de la part de Weiser. Allez, on a l'avantage. Ils nous ont fait le vieux coup du. Quasiment le vieux coup du un tir un but. Non! Non, 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 qu'est-ce que tu m'as fait là? Contrôle de balle, garçon. C'est pas ça que je t'ai demandé. Putain, là aussi, quoi. Faites des offrandes aux adversaires. Vous. Bien joué! 2 à 1, j'allais dire 2-0. 2 à 1, bien joué, Weiser! Bien joué! Buteur et passeur, le garçon. Allez, ça fait plaisir, mon petit. La passe est absolument fabuleuse. Allez. 90% de passe, on en est, quand même. On a un ratio de passe meilleur que l'ordinateur, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oula, oula, ça sent pas bon l'enchaînement. Leur enchaînement est très très bon là. Ça va, ils reviennent derrière. Bon, ça va, monsieur l'arbitre, on s'excite pas comme ça là, y a pas faute là. Putain, monsieur l'arbitre s'excite là, c'est bon, ça va, c'est juste un bon coup d'épaule dans le dos, c'est tout quoi. Venir de le réveiller quoi.
Allez, Weiser. C'est lui qui l'a mis, hein, je l'ai pas touché moi. Voilà. Bien ce qui me semblait. Quoi. Wow, monsieur l'arbitre, ça vaut rouge ça. Ça vaut rouge, aucune chance qu'il ait le ballon le mec. Un tacle par derrière et tout, ça vaut le rouge direct. Non mais direct, carrément, non mais là je suis absolument d'accord. Allez, rentre à la maison garçon. Rentre à la maison plus vite que ça. Non mais alors là, ce tacle, même moi je ferais pas des trucs comme ça quoi. Allez, Sané qui vient chercher le ballon, qui nous a fait un match assez discret, mais s'il a été assez discret qu'on mène 2-1, c'est que ça va. Non, j'ai pas demandé une profondeur. Bon, en plus ça a été hors jeu. Il me semblait un peu aussi, mais j'avais pas demandé une profondeur. Il est allé me faire une profondeur alors que j'ai pas demandé une profondeur. Oula, la tête acrobatique de Lefebvre. Mieux qu'un retourné. Allez, l'accélération. La passe. Le centre. La tête. Et le but de Voilà Casa. Ça fait 3-1. C'était joli. Oh, c'était joli. Dans l'enchaînement, c'était beau. C'était joli. Bien joué, Duka Buenacasa. Duka, buteur et passeur aussi. En plus, le centre est sublime. Hein. Je sais pas, il m'a fait un espèce de petit centre comme ça. Là. Totalement où il fallait. Sergio, seulement son deuxième but. T'es sérieux? Qui c'est qui a marqué jusqu'à présent hein? On n'est pas en ouverture de saison. Quoi. Allez, ça y est, le jeu, il en a marre. On fait des LBY. Voilà, il est totalement hors jeu là. Qu'est-ce que tu faisais hors jeu comme ça? Bon. Sané, c'était pas mal. C'était pas mal. On va faire des petits changements. On va éviter de trop fatiguer nos joueurs. Sané, il va sortir. C'est Philippe qui va rentrer. Mop, on va laisser reposer Weiser. Et chez personne, si j'ai Romero pour jouer à gauche. Voilà, on va laisser reposer un peu les ailiers. 3-1, ça devrait. Le match devrait être à nous. Même si on peut se faire revenir au score. Hein. Oula. Allez, contre-attaque! Contre-attaque! C'était pas pour lui. C'était pas pour lui, c'était pour Romero. La frappe! La deuxième frappe et le but! Sans pitié! Ça fait 4-1! Sans pitié! Mop! Qui marque? Je crois que c'est Mop. Hein. Ouais. On est sans pitié. Ah, bah là, ils sont passés en ultra offensif, les autres, là. Et on était à 3 contre 1. Ça a été un petit peu le bordel aussi parce qu'il y en a deux qui ont couru après le ballon, n'importe comment. La bonne cassa, la bonne remise dans l'axe. Ça n'a pas suffi, mais Justin Mope était là pour son premier but. Plus un carton rouge et le mec il joue en offensif, tu sais. Voilà, quand le jeu est en amarre, il fait ça. Limite, il pourrait, le jeu, il rachiterait, tu vois. Allez, Buenacasa, c'est un peu trop long. C'est le gardien qui dégage. Ce serait une touche pour nous. Ça sort. Putain, il a fait... On va envoyer le ballon bien loin. Allez, c'était pas mal pour Philippe. Philippe qui va pas passer. Non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il a été tenu par le maillot, c'est obligé. Il peut pas avoir fait un écart comme ça tout seul. Il a même pas cherché à avoir le ballon, Philippe. C'est pas normal. Oh, t'as sauvé le ballon. T'es un héros, mon garçon. Le centre. La tête de Philippe.
Non, non, pas là, c'était n'importe quoi ça. C'était n'importe quoi. Allez, la victoire 4-1, ça fait plaisir. Suspension purgée, ok, mon rôle dans le club, ah, c'est bon, ça va, vas-y, comme ton sexe. Qui c'est? Ah oui. Perkins, Camara, Lopez. Ouais, oh, bah ça va, on a de la maille. Je vous garde, les enfants, je vous garde. Joueur de rotation d'effectif. Perkins. Wow, Perkins. Tu veux 1000 balles. Titulaire important, là, par contre, non, tu déconnes. Mais titulaire important pour faire plaisir, mais... Titulaire important, ok, pour un an à 5000. Lopez, 5000 pour un an en titulaire important. Et c'est qui, lui? Titulaire en devenir? Non. Non, non. Non, je l'aime pas trop, donc non. Je crois qu'il est en prêt, en plus. Allez, on va avancer. On est au 27 mai. Cognon, l'appareil qui est frustré de ne pas jouer, donc on va essayer de le faire jouer. Il fera plaisir. On va jouer contre New York. Buenacasa qui est fatigué. Philippe va aller devant. Duka, on va peut-être mettre Romero. Romero Mop. Même si Weiser et Duka sont quand même des personnes ultra importantes. On va mettre lui. Lefebvre sur le banc. Lefebvre il monte quand même. Hein, malgré. Commence à avoir un peu d'âge Lefebvre, non? 27, ça va, il monte quand même. Camara Ruiz. Ruiz est un peu fatigué. Bah, c'est justement lui qui va jouer. Weiser sur le banc, par contre. On va arrêter les conneries 5 minutes. Hein. Weiser Duka. Torizales sur le banc. Malakasa Perkins. Duka Philippe. Et on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Allez. Romero, Mop, Pepe. Pour faire l'attaque dans ce match contre New York. Ça va être tendu. New York, ils sont bons. Ils sont bons, New York. Ils sont bons, New York. Comme des gens. Des gens bons. D'accord. Non, mais d'accord. C'est la pluie. Oh, c'est sorti, c'était bien joué. J'aime les contrôles de balles comme ça. Allez, tu t'es bien retourné, mon petit garçon. Ça fait plaisir. Non, t'as pas suivi. T'as pas suivi l'action, garçon. Mop. Mop, le centre. Ça passe pour la tête. Non, ça passe pas. C'est dommage. Dommage que ça passe pas. Allez, Pépé. Allez, c'est bien joué. Dans le sens du jeu. Le centre. La tête. C'est pas le joueur que j'ai sélectionné qui a fait la tête, quoi. Ça, c'est bizarre, en fait. C'est bizarre. C'est même pas le joueur que je voulais qui a fait la tête. Non, j'ai fait une passe à l'adversaire. Bon, ça va, le mec qui bouge pas quand on lui rentre dedans, quoi. Hors-jeu ! Hors-jeu ! On l'a tous vu. On l'a tous vu. On n'a pas pris un but dans les 3 premières minutes. Donc ça, c'est déjà bien. Rado, tu fais gaffe hein, quand tu fais des trucs comme ça. Hop, la frappe. Oh, il est joli. Il est pas mal. Romero qui marque. Il est pas mal, celui-là.
Allez, 21e minute de jeu, l'ouverture du score de Romero. C'était pas trop trop mal joué ça. La petite passe de Pepe était très très bonne. Andrés Romero qui marque. Et ça fait 1-0 contre le New York. Bien joué. Mickey. Allez, Mop. Pour Rado. Rado qui lance. Rado. Rado, la frappe croisée. Ça passe à côté. Dommage. Encore un Pépé qui a la passe. Encore Pépé qui a la passe. Dommage que c'était un petit peu trop décalé du but là. Pour se donner un bon angle. Mais c'était encore une fois très très bien joué. On aurait peut-être pu tenter le lob opposé, mais quand même, quoi, faut pas déconner. C'est vrai que je fais jamais des lobes. Si les tirs de loin, c'est un truc que je fais pas souvent, bah les lobes, c'est un truc que je ne fais jamais. Pourtant, des fois, c'est après coup, tu te dis après coup. C'est vrai que t'aurais mis un petit lob là, ça serait peut-être pu faire quelque chose. Allez. Il me manque quelqu'un sur l'ailier là. Il me manque l'ailier là. Non, c'est pas pour là. C'était pas pour là. Monsieur le jeu qui comprend pas. Il aime bien jouer Radosevic. Radosevic et Mickey Lopez, franchement, les deux dans l'axe, franchement, ils sont tellement énormes. Non, c'est dommage. C'est dommage. Il fallait faire une passe à la PES là. Au-dessus de la défense comme ça. C'était bien joué. L'intervalle était très très bien trouvé. Non, je voulais pas les rendre de ballon. Je prends pas une faute. Ah non, même pas. Bien joué, Créco. T'assures, Créco. En fait, Créco, je lui trouvais sa bonne place, quoi. Milieu offensif, c'est franchement sa bonne place. Il est très très bon à ce poste-là. Ça sort! Bien joué la défense! Ça a même concédé le corner. Allez, Mop! Alors on l'a vu Romero le doublé! Romero le doublé! Romero le doublé! La passe de je ne sais pas qui dans l'axe, mais qui a totalement flingué la défense! Il a fait un excellent appel. Et Pépé, il a bien emmené la défense avec lui aussi. Heureusement. Et ça fait 2-0. McCarthy. Ah, c'était tellement bien joué. Pépé, il a emmené la défense en bas. Tu sais, les mecs, ils étaient un petit peu focalisés sur Pépé. Ils ont laissé toute la place pour Rado et pour Romero qui était tout seul derrière. Et la passe, mais que vous dire de la passe? Elle était sublime! Elle était sublime la passe! J'adore quand les passes se déroulent sans accro. Allez, on va jouer sur Pépé un peu là. Comment ça tu siffles à mi-temps? On était bien là, pas le droit de siffler à mi-temps comme ça. Allez, ça fait 2-0, c'est déjà bien mieux que sur le match précédent. Parce que là on n'a pas encaissé, on n'a même pas pris un seul tir. Et on est très bien, et le son a totalement coupé. Le son est décédé. C'est bon, le champ est revenu. Parce que on était parti de. Oula, ça s'est intercepté ça. Oh dommage, dommage. Pépé, je le veux, t'es fou. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Faut trop qu'on l'achète à la fin de. Si on devait rester jusqu'à Montréal, jusqu'à la fin de cette saison là, faut trop qu'on l'achète, Pépé. Il est monstrueux. Je le veux, je l'aime bien. Ah non! On avait fait une superbe récupération totalement sublime. Comment ça, un avantage? Ouh, c'était bien joué ça. Oh, le monsieur! Monsieur l'arbitre! Il n'a pas le droit de faire des trucs comme ça, de jeter sa tête comme ça pour me mettre un coup de boule dans mes pieds. C'est interdit ça. Je suis désolé, j'accepte pas. Ça vaut un minimum un carton ça.
Je suis sûr qu'il a voulu viser mes pieds. Parti comme il était, c'était obligé. Il avait que ça à faire. Ah, dommage. Non. On aurait pu faire un truc bien sur le contre. Là. En tout cas, c'était très très bien joué. Moi, je parlais de lob tout à l'heure. Et bien, il en a fait un, là. Le jeu en a fait un tout seul. Pour... Et c'était très très bien joué de sa part, en tout cas. Enfin, je sais pas si c'était volontaire, mais... Si ça a été contré ou... Allez, on tourne un peu autour. On fait... On joue le jeu de l'ordinateur, hein. Quand, parce que quand tu sais très bien, l'ordinateur, il te tourne autour comme ça. Je crois que je jeu. Ouais. Et c'est sûr, je... Quand l'ordinateur, il te tourne autour comme ça, tu sais que ça sent pas bon. Donc on essaie de faire la même, hein. Coup de stress. On fait stresser le CPU. En tout cas, il y a des très très bons appels dans cette équipe, ça fait plaisir. Enfin, pas tout le temps, mais... Ah, dommage. Dommage, parce que ça serait passé, la petite balle au-dessus, là. Ça les aurait flingués. Ça les aurait flingués, parce que l'appel derrière était sublime. Monsieur l'arbitre, il me gêne. Ça y est, il en a marre. Il en a marre, je vous dis. Il en a marre. Ah, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, ça se fait pas, ça. Radosevic, non, t'as pas le droit, Radosevic, la frappe, non. T'as pas le droit, Radosevic, je l'ai raté, c'était sublime. C'était sublime, comment on l'avait foutu. Comment on l'avait foutu en l'air, quoi. C'était trop, trop beau. Il était perdu. Il s'était perdu, là. C'était tellement bien joué. Il aurait pas fait son tacle au tir, là, Rado, je pense que... On peut tirer, regardez, hein. Ouais. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien mieux. Radosevic, encore une fois. Non! Vas-y, le tacle de dingue, quoi. Sous la pluie, le mec, il arrive à tacler comme ça. Ouais, bien joué. Oh, monsieur l'arbitre, la faute! La faute! La faute! Oh, c'était pas mal joué! C'était pas mal joué! Monsieur l'arbitre, il y a faute aussi! Il y a faute partout! Il y a faute tout le temps! Par tous les temps! Il y a faute! La tête! Non, pas la tête! Qui c'est qui est là? Il y a personne! Allez, sors! Bien joué, Camara! Bien joué, c'est sublime! Allez. Ah, t'es trop con, Map. Map, t'es trop trop con. Je sais pas qu'est-ce que t'as cherché à faire là, mais... C'était pas bon du tout, ça. On va le repasser sur le côté. Allez, allez. Camara, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouh, ça c'était... Pas trop mal joué. Commence à nous mettre des ballons par-dessus. Non! Pourquoi t'as pas fait la passe du bout du pied? Allez, Bush! Allez, c'est la victoire. Victoire 2-0 contre New York. Une victoire amplement méritée. 5 tirs de cadré. Un match contre Columbus Crew. Perkin accepté, tout le monde accepté. Ok, ok, d'accord, t'es comme ça toi, t'es comme ça, pas de problème, pas de problème. Pas de problème, y'a pas de problème, tu veux pas rester dans ce club. Ce sublime club. Ça sent pas les maillots aussi des Columbus Crew. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir jouer avec l'équipe entière? Oui, parce que tout le monde est reposé. Grâce à une gestion de l'effectif totalement extraordinaire. Tout le monde est reposé. Et tout le monde va bien. Aujourd'hui, il a envie de me faire faire le mini-jeu du lob. Le jeu veut que je marque en lob. Ça, c'est un message caché pour me dire « Marque en lob, s'il te plaît, garçon. » On va essayer.
Allez. On a fait un très très bon match sur le match précédent, donc on va essayer de faire la même en mieux. Parce que c'est le mieux, c'est toujours bien. Oh non. Vas-y le vieux contre quoi. Il fait contre improbable. Il s'était pas fait une autopasse. Putain, il est grand lui. Putain, il est très très grand. Il est tout à fait bizarre ce comme garçon. Il a failli nous foutre un but ce con. Allez. Allez, on part à l'assaut là. Bien, merci Radosevic. Merci Radosevic. Allez, la petite passe. Oh, j'ai cru qu'il était dedans. J'ai cru qu'il était dedans. C'était tellement bien joué. C'était tellement bien joué. Comment ils ont eu chaud. Comment ils ont eu chaud. C'était tellement bien joué. Je le voyais trop dedans celui-là. Il aurait mérité, celui-là était joli. Dans la construction, il était sublime. Je sens que leur grand gaillard là, il va me faire mal. Allez, Lopez. Oh, Camara, il s'est fait tirer le maillot. On a tout vu. On a tout vu, monsieur l'arbitre. On a tout vu. Il y a que vous qui n'avez rien vu. Allez, Duka. Allez, Duka, on monte. Et pourquoi il n'y a personne qui a suivi? Non, c'était pas pour lui, c'était pour Mickey. Non! À cause de son vieux tacle tout bidon, là. Il m'a empêché de faire ma passe quand je voulais. Je sens que sur ce match, on va pas avoir de chance. J'ai l'impression qu'on va pas... J'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Non! Monaco, ça, tu te fous de ma gueule! Putain, j'aime pas les mecs qui font ça, quoi. Qui ratent le ballon comme ça, quoi. Ça, pour donner des bons ballons à l'adversaire, il n'y a pas mieux, quoi. Type qui rate le ballon comme ça, quoi. Non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est une machine, le type. C'est une machine, c'est pas possible, quoi. C'est une machine, le type. Double récupération. Ça sent le but, ça. Ça sentait le but, ça. Putain, c'est dégueulasse. Le mec, la double récupération qu'il a fait, quoi. C'est de l'abus. Ça y est, ils cheat. Ils sont obligés de cheater. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais Rado, putain, mais t'as vu un peu ton appel de merde. C'était même pas un appel en plus. Faut suivre un peu les enfants, là. Totalement en carton, monsieur l'arbitre. Carton, tu mets, là. J'aurais bien voulu jouer vite. Non, te casse pas. Camara, pourquoi tu t'es barré? Plus jamais tu te barres comme ça. Eh ouais, mais est-ce que j'ai une seule solution, là? Non! La frappe! La deuxième frappe! Non, ça passe pas. J'étais sûr qu'il allait me faire un truc comme ça. J'étais sûr qu'il allait me rater le ballon. Non! Eh, tu comprends les directions, garçon? Voilà, quand je vous ai dit que c'est un match, on n'allait pas avoir de chance. Putain, mais c'est pas vrai, mais ils vont finir par tuer des gens à force. Ils le font exprès, là. Allez, il n'y a pas autant de mouvements que dans les précédents matchs, quand même. Hein. Allez, hors jeu, garçon. Je suis censé avoir deux milieux défensifs, mais bah, ils se retrouvent tous les deux du même côté. Quoi. Ouais, ce match, je le sens pas bon. Je le sens pas bon, ce match. Je sens que... Si on arrive à égaliser, on sera déjà content. On sera déjà content.
Sinon, on va se mettre en mode ultra offensif et puis on verra bien. Et puis on verra bien. Quoi, une faute? Où c'est que tu vois une faute? Je mets mon corps en opposition, où est-ce que tu vois une faute? Monsieur l'arbitre, mais t'es complètement dingue. Il n'y a jamais faute, là. Il n'y a jamais faute, monsieur l'arbitre. T'es complètement fou. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de la faire passer, non, là. Putain, t'abuses. T'abuses totalement, quoi. C'était quoi cet appel pourri là? Il était très très bien ton premier appel, ton premier placement était excellent. Légalisation! Légalisation de Lopez! Sur cette balle, cette frappe, la frappe de Ruiz, enfin, le positionnement de Ruiz était excellent. Après bon, c'était Ruiz donc du coup, un peu compliqué. Lopez il a très très bien suivi. Et ça fait un partout. Bien joué. Allez. On continue. On continue. Oh le salaud. Putain, ça t'arrive toujours trop court quoi. Tu peux y aller, t'arrives toujours trop court. T'es hors jeu, non? Si t'es hors jeu, je te tue. Ça va, t'es pas hors jeu. Mais non, je voulais pas un... Je voulais pas ça. Wow, t'es joli ton tacle, Créco. T'es totalement sublime. On va l'envoyer en plein centre. Ouais. Moi, je pensais pas à lui. Je pensais directement à celui qui a eu le ballon, là, après. Voilà, pourquoi je pouvais pas sélectionner Camara? Non! Pourquoi tout le monde se barre dans la défense là? Restez en place les gars, parce que là vous n'êtes pas en place hein. Bon ouais, vas-y va. Comment le mec il peut faire un centre comme ça quoi? Le type il fait un centre, il évite tes deux défenseurs quoi. Normalement c'est pas normal. C'est pas logique. Logique qu'il n'y en ait pas un seul qui... Non ! Mais qu'est-ce que tu me fais ? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Luca ? C'était pas pour lui. Et c'était très bien, Mickey Lopez. L'option Mickey Lopez, c'était très bien. Il n'y a pas de faute. Épaule contre épaule. Monsieur l'arbitre. Il n'y a jamais de faute, là. Là, ça va un carton, là. Parce que là, il joue pas le ballon, le mec, hein. Je suis désolé, il joue jamais de la vie le ballon, là. Il est dans mon dos, il me tire le maillot, il y a... Là, ça vaut un carton, ça. Mais Rado, ton placement, il est pourri, ton placement, Rado. Reste là où t'es très très bien, là où t'es, là. Je vois pas pourquoi t'essaies de te déplacer, t'es très très bien. Pour faire le pivot, t'es sublimement placé, et qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la complication, toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Qu'est-ce qu'il m'a fait, les garçons? On va faire des changements aussi, peut-être. Préco, on va faire entrer Sané, qui a pris un point. Torizales, qui va rentrer à la place de Rado, qui a pris un point aussi. Et Buenacassa, c'est Pepe, qui va rentrer à la place de Buenacassa. On l'a pas beaucoup vu. Allez, Ruiz. Non, c'était quoi cette passe? C'était quoi cette passe? Est-ce que c'était une passe au moins? On aurait eu un espèce de coup de pied. Je sais pas qu'est-ce que t'as essayé de... Se la mettre. Non, 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 non.
Non, 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 mais pourquoi tu te barres? Torres Alès, pourquoi tu te casses? Reste là où t'es très très bien là où t'es. Tu veux aller où? Tu veux aller dans les cages pour marquer? Le type, il veut se foutre dans les buts pour marquer. Directement dedans, c'est qu'on lui fasse la passe dans les buts. Eh, vas-y, lâche ton ballon, garçon. Salaud. Et c'est le match nul! Je le savais! Je le savais qu'on allait faire un match nul. Ça sentait pas bon, ça sentait pas bon. C'était pas dans leur match. Bon, rôle dans le club. C'est bon, arrêtez de vous plaindre, les gars, quoi. Allez, bon, on a le temps de faire le retour, le match. On peut causer salaire. Duka qui veut causer salaire. Duka, tu veux mon petit Duka? Il est là, pardon. 7000. Tu veux toucher 10? Allez, c'est bien parce que t'es un mec bien. Titulaire important. Allez, on va jouer contre Toronto. Les bleus contre les rouges. Avec l'équipe type. Weezer qui a encore pris un point. Il me semble, hein. Allez, on va engager. Ouais, on est chez nous, je crois. Non, on est là-bas. On est là-bas. La petite talonnette, ça y est, le mec, il balance des trucs comme ça dès le début du match. Oh non, 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 monsieur l'arbitre, c'est pas possible. Comment t'as pu rater ça? Comment? On peut m'expliquer comment il a fait pour rater ça? La séquence de passe était sublime pourtant. Comment t'as fait pour rater ça? Je suis désolé, je veux des explications. Signer tout ça. Hein. Allez, Duka. Duka. Non, mais c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi cette passe? Duka. Qu'est-ce que tu m'as fait, Duka? J'ai fait une faute? Ah non, ça va. J'ai subi une faute. Mais je comprends même pas pourquoi. Et pour moi, il y avait absolument rien de chaque côté. Allez, Lefebvre. Lefebvre. Wow. Il y a une main. Il y a eu une main. Radosevic. Bon, non, il la récupère, quoi. Comment il est trop châteux, le mec. C'est incroyable. C'est incroyable. On peut pas être aussi chanceux, quoi. On va se prendre un but. S'ils sont aussi chanceux. Non, mais c'est quoi ça? Une passe, j'ai dit. J'ai pas dit une talonnette de merde. J'ai dit une passe. Ah, putain. C'est pas vrai, quoi. Essayez pas d'en faire trop, les gars. C'est pas la peine, hein. C'est pas la peine parce que vous allez me faire de la merde. Là aussi, par exemple. T'allais me faire de la merde. C'était pas loin de me faire de la merde. Allez, l'espace, l'espace, l'espace. Buena casa, la frappe. Et le but. Aïe, aïe, aïe. 23e minute et l'ouverture du score de Buena casa. Qui a bien pris l'espace. C'est son troisième but. Mais qui c'est qui marque en fait chez moi? Parce que... pourquoi c'est que son troisième but? C'est pas possible que ce soit que son troisième but. C'est qui mon buteur en fait? Voilà, je vais sur le côté. Voilà, voilà, ça sent là. Non. Totalement raté sortie de but. Allez. Ah! Non.
Non! Putain, mais c'est quoi ce tacle? Et en plus, il me tue mon camarade derrière, quoi. Vas-y, c'est bon, tu te calmes, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, le salaud. Putain, t'es toujours trop court, quoi. C'est horrible, hein. Pourquoi nos joueurs à nous, ils ont pas les pieds assez longs? Encore, hein? Ça se joue à pas beaucoup, mais c'est toujours trop court. Non, mais pourquoi tu te casses? Garçon, regarde un peu ce qui se fait derrière toi. Là, j'ai fait un bel attentat, tiens, ça t'apprendra. Allez, Douka. Allez, Douka. Bon, ça va, qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, Buena Casa, là. Défensif, Buena Casa, défensif. Pourquoi tu vas pas dessus, Créco, là? D'où aller dessus? Sur le ballon, pas sur le gars. Hein. Le type, j'en ai rien à foutre, moi. Bien joué, ça, c'est bien sorti. Allez, ça fait un zéro à la mi-temps. Un tir, un but. Moiseur qui a pris un jaune, ouais, c'est bon, ça l'attentat qu'on a fait. Ouais. C'est totalement justifié. Ouais, bien joué, Créco. Bien joué, Créco. 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 Non, t'as pas loin. En plus, le mec, il fait son tacle. Il se relève en 2-2. Ça fait que je suis niqué, moi, pour récupérer le ballon derrière. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment ça, j'ai fait une faute? Où ça, monsieur l'arbitre? Où est-ce que j'ai fait une faute, monsieur l'arbitre? Où est-ce que j'ai fait une faute, monsieur l'arbitre? C'est pas normal, ça. Ouais, pourquoi j'ai mes joueurs qui tombent? C'est pas normal, ça aussi. Oh, ça sent le but, ça. Ça sent le but, ça. Bien joué. Bien joué la défense. Allez, pour Douka. Douka. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Non! Faute! Mais oui, totalement! Le mec, il se fait violenter par quatre personnes. En plein milieu. Qui c'est qui tire le plus fort? Buena Casa, il a pas mal de puissance. Donc on va se le tenter. Le Buena Casa en puissance! Et ça passe! Ça passe! Le coup franc qui passe! Buena Casa en pleine force! Putain, c'est la première fois que j'en viens comme ça, Dieu. En faisant pleine puissance. Enfin, pas pleine puissance, sinon ça s'envole, mais. En faisant coup franc comme ça, pas trop et fort. La première fois que ça passe. Merci, gardien. Merci, gardien, ça fait 2-0. Ah, là, il y a un petit rebond le ballon en plus. Petit rebond traître, à mon avis. Hop là. Et ouais, le petit rebond traître. Sinon, il l'aurait eu. Ça fait 2-0. Allez. Comment ça, j'ai fait une faute encore? Putain, même si l'arbitre, ça l'a arrêté de siffler des. Ils se font des autopasses. Ouah, c'est bien joué ça, c'est bien joué. Ouah, c'est totalement raté au niveau de la fin. J'aurais dû le rejouer dans l'axe. Buena Casa, il me semble qu'il est arrivé dans l'axe. Je suis pas sûr. Mais j'aurais dû le rejouer là. Ouais, c'était très très bien joué. Voilà, la séquence de passe c'était belle. Là. Je suis en train de me dire, ça y est, ils ont retrouvé leur niveau de jeu, mes enfants là. Non! Pas le droit de perdre le ballon. T'as pas le droit de perdre le ballon. Oh, c'était bien joué. Ça. Il est beau ce tacle. Il est beau. Non! Qu'est-ce que tu me fais? C'est pas pour là. Radosevic, t'as pas envie de jouer avec lui? C'est ça?
Merde, j'ai trop anticipé. Allez, Lopez. Il est pas hors jeu. Si, il est hors jeu. Je sais pas comment il a fait pour se retrouver hors jeu à cet endroit-là, mais enfin bon. Il semblait qu'il y avait beaucoup de monde à moi, par là. Allez, l'accélération. L'accélération. La petite passe en l'air. Weiser, le retourné acrobatique de Weiser. C'est n'importe quoi. Eh, ça a été bien joué en attendant. Il aurait pu mieux tirer ou il aurait pu faire un retourné assez puissant. Wow, le tacle sur Weiser et ça fera un cornet. Un cornet de glace. On va le jouer un peu fort pour qu'il aille au fond la tête. C'est raté. Mais on a réussi à l'avoir la tête. Allez, 81e minute, on mène 2-0, on est bien dans ce match, on est bien. Waouh, monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre. Allez. On fait attention, voilà, il va jouer forcément là. C'était pas exactement ça que je voulais comme dégagement, mais... C'est pas grave, je prends quand même. Bim! On aime bien faire les trucs comme ça, là. Le coup de la tête plongeante. Ouh, ça aurait pu faire mal, ça. Je l'aurais pris plein pied. Allez, pour Buena Casa, Buena Casa, Buena Casa, Buena Casa. Wow, le coup de physique, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, je fais moins que ça, je prends des fautes. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit, tiens, je te fous un sale tacle. Tiens, je te fous un deuxième sale tacle. Pourquoi tu vas pas sur le ballon, Rado? Allez. Lopez, Lopez. Lopez, tu te fais pas avoir par son vieux dribble. Et c'est fini, c'est la victoire 2-0. Face au rival. Enfin, je suppose que c'est le rival. Montréal-Toronto, je suppose que c'est le derby. Le derby canadien. Derby de Calibou. Le derby du Calibou. Et donc, c'est la victoire. On a 8 points d'avance sur Philadelphie qui est deuxième. On mène de main de maître cette MLS. Pour le moment. Pour le moment, il nous reste un match. Et donc, comme je vous avais dit en début d'épisode, hein, on m'a dit que normalement, je ne pouvais pas rechanger de club maintenant. Parce qu'apparemment, on ne peut pas changer plus de deux fois de club. Enfin, quoi que j'ai changé qu'une seule fois de club. Je sais pas. Peut-être que du coup, ça a créé un bug dans la matrice qui fait que je ne peux pas changer de club tant que je n'ai pas passé la saison suivante. Et je pense que ça me comptera vraiment la saison suivante une fois que j'arriverai ici. Au 1er juillet, je pense que ça va être ça le truc. On verra si ça se confirme au prochain épisode, mais je pense que je fais le match contre Salt Lake. Je pense que si j'arrive au 1er juillet, ça va me compter la saison passée. Et du coup, des gens comme lui devrait partir, normalement il devrait être parti lui aussi. Normalement il devait partir saison dernière déjà. Si on va dans le rapport d'équipe, on va pas faire du tout. On le fera pour avant de partir. Lui là, voilà, raccroche les crampons cette saison. Les deux là. Sauf que ça fait déjà. Ça va bientôt faire une saison qu'on me dit ça, tu vois. Donc je pense que ouais, ça a fait un petit bug dans la matrice. Ça fait qu'on est toujours considéré comme étant en troisième saison. Mais voilà, je pense que ça va vraiment générer une nouvelle saison quand on arrivera au mois de juillet, je pense. J'espère. Ça permettra peut-être de quitter Montréal. Ça va revenir en Europe, on verra où. On verra ça dans le prochain épisode. Pour celui-là, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur FIFA. C'est Pépé, mon meilleur buteur à 6 buts. D'accord. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc pour la suite de notre aventure sur FIFA, allez, ciao.